Coucou à tous. Alors, unboxing. J'ai plus la box parce que c'est arrivé pendant que mes enfants étaient là, ils ont ouvert et voilà. Donc du coup, petit unboxing de matériel commandé chez Picus Fran Modélisme. Je remercie Bichente qui m'a fait une piqûre de rappel avec sa vidéo. Non pas que je vais rentrer dans la polémique tout ça, mais effectivement, Miss Fran. Elle est toujours là, elle commande toujours toutes les vidéos, elle passage, elle est gentille, elle est agréable, elle bosse, elle a une petite boutique, c'est des jouets, un peu de... Voilà, je vais vous présenter moi ce que j'ai pris, que je trouve super bien et que j'avais besoin, hein, Miss Fran, c'est pas de la charité ce que je te fais, hein. C'est juste que globalement, en parcourant, je me dis ça peut être bien, et voilà. Donc du coup, voilà, c'est une boutique de gadgets, de jouets, de petites outillages qui est sympathique. Ouais, ça vend pas du Sismic, ça vend pas du Traxa, ça vend pas du Timasso, du Agua, Vartel, RC Team, hein, tout ça là. Ok, ça clash moins, on peut pas faire des lumières, on peut pas faire des jolies lampes dessus avec, voilà. Mais c'est une personne qui est top, donc voilà. Autant que faire se peut, acheter en France et donner un petit coup de main à cette boutique sur des choses. Certes, vous pouvez acheter en Chine, ok, mais pas beaucoup plus cher déjà, pas beaucoup moins cher, excusez-moi. Et puis surtout, vous avez ça en 3-4 jours. Donc, moi j'y ai pris. D'abord, elle m'a fait un petit mot, hein, voilà. Avec toute mon amitié sincère, fier de vous suivre, Marquetoi, et de notre amitié. Bise et merci, Fran. Voilà. Donc, picousfran, modélisme.fr, 06 21 87 93 54. On va mettre tout ça dans la description. Et si je le fais pas, vous m'engueulez comme dans Béteuse. Alors, moi, j'ai pris une clé de 17. Parce que moi, j'ai la clé qu'on donne dans les kits, là. Qui est bien, mais bon, voilà. Ça, c'est pas vrai, ça prend un peu de place. Celle-là, elle est plus petite, plus compacte. Et pour les écoutes roues, top. Donc, aluminium standard. Belle finition, 17 mm. Je pense que en changeant ici, tu peux changer également le diamètre. Donc ça, c'est sympathique. Ensuite, j'ai pris des lipo meters. Attends, je vais l'ouvrir avec ça. Parce que ça, par contre, c'est vachement bien. C'est un de mon nouveau cutter d'unboxing. Regarde, sécurisé avec une lame de scrapper. Donc vachement plus rigide qu'une lame de standard de cutter, voilà, qui se coupe ici. Là, en fait, tu as une lame de scrapper que tu peux changer, j'imagine, quand tu enlèves par derrière. Donc ça, c'est sécurisé et ça permet d'ouvrir tes unboxing tranquillement, sans te blesser, et tu changes la lame comme ça. Donc ça, c'est vachement cool. On va faire le test. Voilà. Toc. Wow, comment ça coupe. Là, ça rigole plus, les gros. Hop, voilà. Ensuite, les lipo buzzers indispensables. Si tu veux pas, si tu as des batteries un peu tipouilles et que tu veux les préserver sans tirer trop dedans, indispensable. Donc, le principe, il est simple. Hein, vous connaissez tous, j'imagine. Tu as ton lipo buzzer, tu mets ta prise d'équilibrage ici. Ça te permet de voir par cellule le voltage de cellule, ça permet notamment de régler, avec ce petit bouton là, de régler le niveau d'alarme total de la cellule à laquelle tu veux que ça buzz, ça va tit tit tit, et là faut que tu t'arrêtes. Très utile en bateau, très utile pour les batteries de réception sur les grosses échelles à 1/5 où tu as une batterie séparée. Très utile également des fois avec les radios Traxas qui des fois coupent un peu basse. Donc, si vraiment tu as des lipos qui commencent à vieillir, tu veux faire attention, je te conseille de mettre ça. Ça coûte pas cher, c'est petit, c'est compact, c'est léger et c'est vraiment au top. Et puis ça, alors ça c'est top. Ça, franchement, c'est ma petite trouvaille du jour chez Picus. C'est des petites brosses pour nettoyer tes RC. Donc, tu as du nylon, tu as du brass, donc du laiton. Et tu as de l'inox. Donc ça, c'est top pour nettoyer tes RC. Regarde donc. Et ainsi, tu ne bougeras, t'arrêteras de prendre la brosse à dents de maman. Hein, pour faire des bêtises. Là, au top. Donc tu le laves. Tu fais ton pchup-pchut. Donc de l'eau de savon chaude. Tu frottes. Tu rinces.
Et ça, c'est top. Franchement, ça, c'est top. C'est une très, très bonne... Là, franchement, j'étais très content de trouver ça. Ça, ça va me servir vraiment très, très souvent. Donc, voilà. Encore une fois, allez faire un tour. Elle est adorable. Elle a pas tout. Ça, c'est sûr. Hein, mais elle a de bons petits outillages sympathiques. Pour les enfants, si vous avez des gosses, il y a des jouets qui sont très sympas. Il y a des gadgets. Je crois que Baboon en a déjà présenté quelques-uns. Je pense que Bixente aussi a fait quelques unboxing. Il y a Fred qui a fait son petit unboxing. Voilà, donc on voulait juste faire une petite semaine soutien à Miss Fran. Si ça peut lui donner un coup de pouce, tant mieux. Voilà, on veut dire qu'on l'aime très fort. Et merci encore pour ta présence sur les réseaux sociaux. Pour le reste, RC Drama, on en a. Allez, ciao, ciao.